この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer à Indy Racing 2000 sur N64, Nintendo 64, vous l'aurez compris. Un jeu qui retrace la saison 99 de l'IRL. Pas in real life, hein, d'ailleurs, au passage, mais bon, enfin, ça vous aurez compris. Alors, c'est parti. On a plusieurs modes de jeu. On a mode single race, mode championship, Gold Cup et option. On va jouer à option. Et on a donc les options de display, donc on peut par exemple choisir le HUD si on le veut en mode full ou en mode totalement désactivé ou en mode minimal, on va le laisser en mode total. On va garder les kilomètres heure, on va garder le split screen en horizontal, même si je vais jouer tout seul. Les options de contrôle, bah pour l'instant il n'y a pas grand chose, on peut juste choisir de jouer avec le volant si on veut. Par contre regardez, PR1 Sensibility, on va mettre ça au minimum. Au minimum, parce que ce jeu est ultra difficile, ultra brouillon dans sa manière de tourner, vous allez vous en rendre compte. Et souvent, c'est les gros problèmes avec le joystick de 64, c'est ça. C'est pour ça que je teste pas beaucoup de versions de jeux d'un même éditeur dans un 64, parce que je sais pertinemment que ça va être très difficile à manier. Alors l'audio, bon, on va laisser comme ça. On va faire back. Je vais vous montrer de la Gold Cup. La Gold Cup, du coup, c'est différentes séries. C'est pas la série Indy classique. Et le but, bah, c'est de gagner des points pour débloquer d'autres séries. Ouais, j'ai engrangé 6000 d'expérience. On va faire du coup la Midget Car, qui est un championnat plutôt sympa. Et vous pouvez voir qu'on peut avoir une upgrade à partir de 10 000 points. J'ai le choix entre 3 véhicules. Donc on va faire du Midget. Et c'est parti. Donc on part dernier, il va falloir évidemment terminer au mieux. Et déjà ce qui est pas mal, je préfère vous le dire depuis le début, c'est que on a une fluidité qui est quand même vraiment bonne. Bon, 64 hein, mais franchement le jeu est plutôt une bonne humilité. Et là, je vous montre le mode Midget qui est le mode le plus lent hein, finalement qu'on peut avoir dans le jeu, puisque les autres catégories sont plus rapides. Aïe aïe aïe, voilà, je l'ai complètement foutu dehors. J'ai carrément envoyé dans le mur. On a différentes vues, donc on a une vue beaucoup plus éloignée. Je vais passer par là. Et vous remarquerez que le but, évidemment, comme dans n'importe quel jeu à l'époque, d'Indy ou même Champ Car, sur des ovales, etc., c'est de drafter pour avoir l'aspiration maximale et de pouvoir prendre de la vitesse. Vous voyez ici, on a une barre en bas à gauche, la barre de draft, voilà. Et elle va se remplir d'un coup. Oh là 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 là, le carton! Et en plus, je me fais encore toucher. On est 9ème, on a 6 tours à faire. On va devoir essayer de finir le mieux possible, marquer le maximum de points. Et l'IA fait beaucoup d'erreurs, ça c'est plutôt pas mal. Enfin, je trouve que c'est plutôt. J'aime bien quand l'IA fait des erreurs, c'est toujours un côté réaliste parce qu'il n'y a pas que nous, hein. Ils ne sont pas que sur des rails et ils se plantent des fois. Et donc voilà, donc on est marre de draft. Là, je ne l'ai pas du tout rempli parce que j'ai personne devant moi et ça, c'est un petit peu c'est compliqué. Évidemment, le but c'est de suivre un train, prendre l'aspiration, les dépasser, eux
une fois qu'ils sont fait dépasser, vous recolle derrière pour reprendre l'aspiration. Et ça fait un train. Ça fait un train-train qui va de plus en plus vite finalement. Donc là pour l'instant je suis un petit peu loin, je vais essayer de prendre l'aspiration sur lui. Vous allez voir d'un coup la barre elle va augmenter. Alors là je l'ai au maximum, du coup j'ai pris beaucoup de vitesse. Oh là là. Et je passe 5ème, 4ème, et on a dernier tour. Et on finit 4ème. Alors il y a des musiques, alors on est toujours limité à la taille de la cartouche de 64. C'est un jeu quand même sorti en 2000, donc la 64 ça fait... Regarde, c'est son année ultime hein, avant qu'on passe à la GameCube en 2001. Et toujours les mêmes limitations à cause de la place, hein, ce qui fait qu'on a pas beaucoup de musique, on n'a pas beaucoup de textures haute qualité, il fallait l'expansion pack toujours. Ouais, je vous montre quelques vues qu'on a, je mets la vue la plus éloignée, ça permet d'avoir beaucoup de champ. Mais vous allez voir que dans d'autres championnats, on va avoir une vue embarquée. Ne vous inquiétez pas. Oula, je suis passé vraiment limite. Et j'aime beaucoup ce championnat midget parce que pour moi, c'est le championnat le plus jouable en fait. Concrètement, le fait de pouvoir avoir une maniabilité qui est à peu près pas trop sensible. Ça reste le plus intéressant à jouer. Il y en a qui est parti en tête à queue, de toute façon on peut se le prendre. Voilà, on va essayer de prendre aspiration sur lui. Oh bah il saoule complètement. Des fois je sais pas pourquoi, il saoule tout seul. Genre tu lui mets la pression, tout va bien. Alors là j'ai aucun draft, hein, donc du coup je risque de me faire dépasser. Allez là il est le draft. On va essayer de passer. On va escalader derrière la voiture, là. Et là ça va être compliqué de passer. Oh là 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 là, on s'est loupé, on a retapé derrière. Alors il n'y a pas de dommages, mais on peut avoir des dommages dans le jeu. Hein. C'est-à-dire qu'on peut activer les dégâts. Vous allez voir quand on sera en mode indie. On va pouvoir le faire. Wow, attention. Entre ceux qui se loupent, ceux qui sont à un tour, c'est difficile de faire la différence. On est dans le dernier tour. Avant dernier tour. On va arriver dans le dernier. Là je prends l'aspiration à mort. Et du coup on passe. Voilà, là on va essayer de prendre l'aspiration. Voilà, un peu de draft. Ouais, encore le draft, il est vraiment léger. Attention devant nous, on a le 5ème qui est là. En fait c'est les numéros du pilote que vous voyez, un numéro 9, etc. Ça n'a rien, aucun autre... Ça n'a pas d'autre rapport, c'est juste le numéro que vous voyez du pilote. Hein. On peut voir le replay, je vous montrerai après. Et on peut voir évidemment les résultats de course. Alors je ne connais absolument pas de ces pilotes, hein. Je ne sais même pas s'ils existent. À mon avis c'est des noms un peu inventés. Surtout pour Mike, bienvenue, sans le E. on va faire continue. Et du coup j'ai gagné 7000 points d'expérience et j'ai 13000 points. Du coup je finis 4ème. Et si j'ai 20000 points, je vais pouvoir débloquer la prochaine classe. Alors du coup, on va revenir en arrière parce qu'on n'a pas débloqué la suite. Et je vais vous montrer maintenant le mode normal, donc le mode Indie Racing. On va faire un petit tour sur ce qui est disponible parce qu'on a la licence. On va voir les drivers disponibles. Et donc on a Tyce Carlson sur la Dallara. Alors c'est beaucoup de Dallara, hein. Il y a deux types de voitures. On a Mike Dicemore. On va le faire à l'américaine, même si je suis trop nul. Roberto Guerrero, bon la normale. Johnny Unser, Robbie Unser. Jeff Enzer, non Jeff Ward, Stéphane Grégoire, Robbie McGee, je peux qu'on prononce. On a John Hollandsworth Jr., Scott Goodyear sur la Goodyear, Greg Gray, on a Billy Boat, on a Eddie Cheever. Alors Eddie Cheever Jr., évidemment, hein, c'est pas le Eddie Cheever qu'on a connu en Formule 1. Betty Lazier, vas-y, on prononce. David Hamilton. Sur sa Lola de 1993, qu'est-ce qu'il fout là? On a Sam Schmidt, on a Scott Sharp. Alors lui, ça me parle. Il y a un certain nombre de pilotes quand même que j'ai souvenir. Buzz Calkins, Kenny Brack, Robbie Bull et Tyce Carlson. On va prendre. Je sais pas, peu importe. On va prendre Buzz Calkins. Oui, on a les statistiques grip, accélération, speed. Mais on peut évidemment faire des réglages, donc on va faire car setup. Et là vous pouvez voir que
par défaut, on peut prendre le track défaut. C'est en fait, il nous met le réglage qui correspond au circuit, ce qui fait que normalement, on est censé avoir un réglage à peu près approprié par rapport au tracé que l'on va choisir. Mais si je passe en off, vous pouvez voir que là, je peux changer un tout petit peu. Voilà, le rear wing. Je peux augmenter, baisser, front wing, je peux baisser. Je vais mettre track défaut, hein, parce que bon, maintenant, je ne connais pas assez les circuits pour savoir exactement quel est bon réglage. D'ailleurs, nous allons faire un tour des circuits disponibles. On a le Visionaire 500. Alors, je vais prononcer à la française. Hein. On a le Indianapolis 500. Vous pouvez voir, à chaque fois que le petit bouton, le point rouge, fait le tour, il nous montre l'angle du virage. On a le Longhorn 500. Texas, normal. Radisson 200. On a le Cobalt Mechanic Tool 500. On a le MBNA Mid-Atlantic 200, pardon, le Colorado Indy 2000, le Vegas.com 500, pourquoi j'ai 2000, 500, le Mail.com 500, et oui, quand on attend un petit peu, donc là il nous montre le circuit, simplement, et après on voit le tracé, donc ça c'est pas mal, on voit à quoi ça ressemble. Bon, après il faut quand même mémoriser les tracés, savoir que bah, il va y avoir quand même au moins 2 à 3 virages à retenir. Voilà, donc faut pas se perdre, faut éviter de tourner à droite des fois. Voilà. Non, c'est de la pure ironie, mais c'est un petit peu dommage dans ce jeu, c'est qu'il y a que des circuits en ovale. C'est pas comme le Champ Car, j'ai l'impression, où il y avait des circuits un peu, ou même la NASCAR, où il y a quelques circuits qui étaient un petit peu à part. Là, c'est que les ovales, concrètement. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, après... Ça sera intéressant à faire quand même. On va faire un mode practice, histoire de découvrir la voiture. Donc c'est parti, vous allez voir, attention, ça va partir très vite. Voilà, dès le début. Et vous voyez déjà, ça tourne très très fort. Oh là là, j'ai tapé. Alors je sais pas si j'ai activé les dégâts, donc je crois que oui. Hein. Il me semble que j'avais par défaut activé dans la sauvegarde. Oui, là je dérape, je fais du drift, hein, tout va bien. Donc c'est un jeu ultra arcade par contre, donc je vais faire le préciser. C'est vraiment... voilà, bon là ça passe parce que je suis un fou, mais là je pense que je vais péter mes roues à force, enfin l'usure des gommes elle va être énorme. Alors je vais vous montrer, donc on a plusieurs vues, je vais vous montrer, mais on a une vue embarquée cette fois-ci avec ce mode là. Alors logiquement on est censé être très précis, hein, c'est vraiment on va tourner légèrement, etc. Mais n'ayant pas de joystick 64, c'est très difficile de savoir si le jeu le gère bien. Donc vous voyez, je galère un petit peu. On a une vue totalement ras du sol. Une vue un peu plus rapprochée, une vue encore plus rapprochée, une vue ultra éloignée. C'est ce que j'aime le plus garder dans ce jeu, puisqu'on voit beaucoup de loin, on voit très loin devant. Et on voit sur les côtés surtout, c'est très important. Parce que vous allez voir qu'on va se faire toucher régulièrement, parce qu'on n'a pas vu la voiture à droite ou à gauche, ou on a voulu esquiver. Et en fait, en voulant esquiver une voiture devant nous, ben on va taper la voiture de droite ou de gauche. Donc voilà, quand je vous expliquais que c'était ultra arcade, c'est vraiment ce côté maniement... Bah c'est ultra peu précis, quoi. Je peux essayer de gérer légèrement, mais voilà, c'est soit ça tourne très très peu et c'est trop long, du coup je prends le mur, soit je tourne trop fort. Après, c'est sûr d'habitude, vous avez mis, hein. Et vous allez voir que ce défaut va se corriger quand on va être en mode course. Ça, je n'ai pas compris. Je sais pas si c'est parce qu'on a plus d'essence ou pas. Mais ça va totalement être différent. Alors je vous montre le display. Voilà, je suis des fous. On va le mettre en minimal, par exemple. On va valider. Donc ça, c'est en mode minimal. Voilà. Et en mode off, évidemment, il n'y aura rien d'affiché. Alors on va arrêter les essais. On va faire oui. Et on va du coup débuter une course. On va faire race. D'abord, je veux juste vérifier quelque chose. Au niveau des options de course, normalement j'ai activé les dégâts. Oui, c'est bon. Donc là, on pouvait choisir la durée de course. Donc courte, moyenne ou très longue. La difficulté, je l'ai laissé en normal. Et on va partir de la 20e position. Mais je peux partir de la première poste si j'ai envie. Et donc. Let's go, ready to rumble. Non, c'est pas ça. Allez, c'est parti. Wow. Et là déjà dès le début ça part super mal, je me suis planté dès le premier virage. Je me suis planté dès le premier virage.
et du coup j'ai perdu tout le draft qu'il y avait devant. Voilà, regardez-moi ça, comme je suis totalement pas précis dans ma conduite. Il y a qui va faire des erreurs et évidemment qui va... je vais me prendre toutes les bagnoles. On a des dégâts, donc vous pouvez le voir ici, hein, on le voit, hein, c'est mentionné. J'ai l'arrière, par exemple, l'aileron arrière qui est complètement coupé. Enfin coupé, qui est endommagé on va dire, mais visuellement on voit pas grand chose. Hein. J'ai pas l'impression qu'on voit quoi que ce soit. Ok, là il va repasser. On va reprendre le draft. Et voilà, on passe devant. Alors lui il est un petit peu en difficulté, on va le passer à l'intérieur, c'est totalement illégal. On va passer par là. On est 14ème et on a une voiture qui essaie de nous dépasser sur le côté. Alors si je suis malin, je laisse passer, comme ça elle me redonne de l'aspiration derrière et ça me permet de rattraper le groupe de devant. Et oui, on voit sa vue là. Et la voiture elle est restée au milieu, hein, la voiture qui est abandonnée, vous avez vu, elle est restée sur le circuit. Oui, j'ai complètement coupé, alors je vois pas le problème. Ouais, il a tapé le mur complètement. Alors vous avez vu, on a des, on a les pneus hein, qui sont un peu couleur bleu un peu turquoise. Oh là, regardez le carton. Et du coup, on va rentrer au stand, on va essayer de se faire réparer, vous allez voir. D'ailleurs, c'est bien fait, l'entrée des stands est plutôt bien réussi. Donc là, c'est automatique, hein. Je fais rien. Et vous allez voir, ils vont réparer. Avec tout en tout en 3D. Vraiment nickel. Alors les ailerons sont réapparus de manière totalement mystérieuse. Mais regardez, il met de l'essence. Alors par contre j'aime bien comment il met l'essence, c'est la pompe à une main quoi. En général il mettait deux bras. Mais là non, tout va bien. Et on est reparti 18ème. Enfin 17ème. Oh là, regardez le double dérapage. Ça, par exemple, c'est totalement irréaliste. Hein. Vous doutez bien que si on dérapait comme ça, ça ferait un bike, on serait dans le mur. Et il nous reste 3 tours à parcourir. Alors, ce qui nous aide pas, évidemment, c'est qu'on part, on est parti dernier. Oh là là, le carton. Et voilà, tout le monde va se taper. C'est le suraccident, c'est le big one, ce que vous voulez. Malheureusement, ils sont tous en train de se planter. Comment allez-vous passer là? Sans déconner, regardez, je suis dans l'herbe. Oh, elle a pris feu carrément la voiture à côté. J'arrive même pas à la passer. J'ai le moteur qui est complètement mort, du coup je me fais dépasser par tout le monde. Donc à part du draft, la voiture elle est complètement morte, hein. Je peux rien faire. Même le draft sert à rien, et je finis 17ème. Ce qui est très très nul, vous en conviendrez. Je vous montre le replay quand même. Donc ça c'était le début de la course, où j'ai tapé direct, du coup j'ai tout perdu. Et ouais, les mouvements du volant, totalement anarchiques. On va parler un petit peu des graphiques justement, que ça se ralentit. Ce jeu n'est pas spécialement mal fait visuellement parlant, disons qu'il est assez propre, assez reconnaissable, voilà. Mais il manque de détails sur la 3D. Je veux dire la 64, ne me dites pas que la 64 est pas capable d'afficher beaucoup de polygones. C'est un petit peu ridicule je trouve, en demi en tout cas, d'avoir un jeu comme ça. Au niveau des éclairages c'est assez correct, mais ça manque vraiment de détails. Alors, on va dire qu'au moins la fluidité est parfaite, enfin, presque parfaite. Mais bon voilà, c'est pas exceptionnel. Puis je comprends toujours pas comment on peut laisser faire un jeu comme ça avec une sensibilité aussi énorme, alors que le principe même d'un jeu sur ovale, c'est d'avoir la précision maximale, c'est-à-dire se retrouver bloqué derrière un pilote, essayer de passer, trouver l'ouverture, mais avec des voitures qui tournent vraiment légèrement. Enfin, pour moi c'est la base quoi, c'est... Ça c'est le genre de maniement qui va sur le circuit avec beaucoup de virages gauche-droite, etc. Mais ça va pas du tout pour ce type de jeu. Donc on va faire continuer. On va changer de circuit. On va faire un autre, on va prendre le MC Worldcom 200. Faut que j'arrête de dire 2000, mais bon c'est pas grave. It's over 9000. Aïe.
Là, c'est le MC WorldCom. J'ai envie de faire quand même le Indianapolis. C'est quand même le plus connu. On va changer de voiture. On va prendre la voiture Energizer. Ah non, c'est Delphi, ça, pardon. Sam Schmidt, David Hamilton. On va prendre Delphi aussi. Eddie Cheever, Billy Boat, Lightning, Scott Gooden, Penzoil. On va prendre lui. Team Penske, je crois. Attendez. Team. Ah non. C'est pas, j'ai cru avoir Team Penske, mais c'est pas eu tout ça. En plus, à l'époque, c'était blanche et rouge, donc m'étonnait un peu. Alors. Ce que je vous propose, on va enlever. On va enlever les dégâts. Histoire de voir ce qu'on peut faire à la. Pas à la régulière, mais. Alors, auto, ça veut dire que ça serait pas automatiquement. Donc, on va laisser en auto, voir ce que ça donne. Et on va faire course directe. On est des fous. Regardez le monde qui est Indianapolis, c'est incroyable! Ok, bah j'ai même pas réussi à tourner, c'est magnifique. Et dès le départ, on va tout péter. Et du coup, on va voir si ça se répare automatiquement. Et ouais, j'ai plus de dégâts maintenant. Les dégâts ont été réparés. C'est un mode original d'avoir les dégâts qui se réparent automatiquement. On dirait un Call of Duty. façon indie. Oh là là, j'arrive pas à tourner. Incroyable, dès que j'ai un virage, la voiture tombe plus. Non mais à chaque fois qu'il y en a qui se plante, c'est pour ma pomme quoi. C'est pas possible. Pourquoi il se plante? Ça sert à rien de se planter mec. Alors je vais te ralentir un petit peu, sinon la voiture ne tourne pas. Donc là par contre, effectivement, sur ce genre de tracé, la voiture elle tourne plutôt lentement. Donc ça me plaît, déjà c'est déjà un peu mieux. Alors je sais pas si c'est les réglages qui font ça. On est quand même à 378 km/h, 379, et pas mal quand même. Alors du coup je lâche un petit peu l'accélérateur, hein. Je peux pas aller à fond. Ah il va me drafter complet là à mon avis. J'ai pas de draft hein. Bon, vous avez vu pourtant je suis juste derrière lui. Si c'est bon, 300... Oh 83, oh, j'avais ralenti pourtant, c'est dommage. On a des commentateurs aussi, je n'ai pas trop parlé, qui commentent un petit peu la course, enfin qui commentent. On a le spotter et on a le commentateur. Oh, attention. On a fait 3 tours sur 6. Pourquoi il se plante? Pourquoi il se plante? On est en ligne droite. C'est pas possible. Il y a qui se plante en ligne droite quoi. En ligne qui se plante en virage, je comprendrais mais... Ok, pour le moment on est pas mal, 350, on va passer les tensions, hop là. Voilà, ça va, c'est un petit peu mieux, ça fait plaisir d'avoir un setup qui marche à peu près. On va peut-être changer de vue. Histoire de... Pourquoi je suis passé par là? Alors, mais c'est du. Histoire 2. En fait, plus la vitesse augmente, plus la voiture elle est beaucoup plus stable, j'ai l'impression. Ouais, ça tourne beaucoup plus... de manière plus raisonnée. Ce qui est logique, en fait. Et c'est pour ça que sur les circuits beaucoup moins rapides, la voiture tourne beaucoup. Ce qui semble assez logique. Le 14e. Là déjà, c'est un peu mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même un peu plus précis. On va prendre l'aspiration. Et on est 13e. Je vais ralentir un peu. On va se passer par là. Oh là là, attention! En plus, il a glissé devant nous. On a le draft qui va marcher. Attention à leur accélération, c'est bon. Et on est 11e. Il va nous rester un tour à faire. Après, je vous montrerai le mode championnat. Oh, attention. Oh, par contre, derrière. Oh là là, le big one. Regardez-moi ça. Oh, on s'est fait couper, mais en couper en mille, quoi.
plus d'où qui tremble. Non, ça va, les dégâts sont en train de partir au fur et à mesure. Ah, c'était pas ma faute, hein. Franchement, là, le bus qui arrive derrière, sont arrivés trop vite. Du coup, on s'est totalement fait démonter. Ah, c'est dommage, j'étais bien placé pour une fois. Bon, du coup, on va finir, je sais pas combien. On va finir 13ème. Peut-être 14ème. Non. Ah, mais j'ai compris. En fait, quand on a une flèche bleue de pilote devant nous, ça nous dit qu'en fait, c'est un pilote qui est dans le même tour que nous. Donc, c'est un pilote qu'on va pouvoir dépasser et qui va nous faire gagner une position. Quand c'est pas le cas, ça veut dire que c'est un pilote qui a déjà un tour de retard. Du coup, on voit pas la différence. Alors, on va du coup. Bah, je vais vous montrer le mode championnat. Donc, on va faire back. Et on va faire un mode championship. On va prendre. Un pro monsieur bateau, tiens, par exemple. On va laisser comme ça. Donc la difficulté est plutôt correcte comme ça. On a donc le Orlando Indy 200 en Floride. Qu'on a fait tout à l'heure, d'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Je pensais pas tomber sur un circuit qu'on aurait déjà fait. Car setup. Bon, bah écoutez, on va faire une qualification, hein, on va voir comment ça se déroule. Je sais même pas combien de tours je vais avoir à faire. Oh là, regardez-moi ça. Là, c'est totalement l'anarchie. Ok, bon, on va essayer de faire quelques tours pour essayer de faire un chrono en normal. 21,54. Je pense pas qu'on va faire mieux. Oh là là, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Je vais changer de vue. Oh là. Alors je vous ai pas montré, mais regardez, on peut regarder. Ok, je pensais qu'on aura plus de tours pour ça. Quand j'appuie sur les touches avec le pavé C, en fait quand je fais gauche-droite, donc haut c'est pour changer la vue, mais si je fais gauche-droite, je peux voir sur les côtés. C'est quelque chose que je vais pas spécialement montrer. Du coup, bah, on va faire une course directe. Concrètement, ça n'a pas changé grand chose à ma vie. J'ai envie de mettre moins d'ailerons. Vous savez pourquoi? Tout simplement bah, parce que ça va me faire tourner beaucoup moins bien. Et le fait de tourner beaucoup moins bien, je devrais avoir une voiture qui tourne moins bien. Voilà, voilà. Tout simplement. C'est peut-être pas la bonne idée. Orlando International Raceway, a 1 mile tri-oval in front of 80,000 seats. 10 degree bankings in the turn, the front straight's 910 feet. The mid straight of the tri-oval, over 1,000 feet. The back straight is short at 572 feet. This is an exciting racetrack. 200 laps on the 1 mile tri-oval. C'est parti. On peut le faire start, voilà, du coup. Et on va du coup démarrer, on partira 14ème. Alors que j'ai envie de dire qu'il nous a traversé littéralement, tout va bien. Oh là là, ça commence bien. Ça commence super bien, bon. Alors je n'ai aucun grip, hein, donc du coup... Non, attends toi s'il te plaît. Alors vous avez des fois quelques petits légers ralentissements, la framerate se baisse un tout petit peu. Ah c'est bizarre, on n'avait pas eu de problème tout à l'heure, mais là on en a un peu plus. Alors évidemment j'ai pas beaucoup d'ailerons donc Par contre ça me donne un avantage certain, c'est qu'en ligne droite on va pouvoir le rattraper d'un coup. Il y en a un qui était complètement dans le mur. Oula, on va passer par là. Alors là c'est encore une fois la jolie anarchie. Bon, j'ai réussi à le passer mais c'était limite. Aïe aïe aïe. On va changer encore un peu de vue. Est-ce que la stratégie avec pas d'aileron ça marche hein? Alors il y a 10 tours à faire, pardon, j'ai oublié d'en parler, voilà, 10 tours. Attends, vous l'avez vu je pense. Vous avez vu, j'ai même pas besoin de draft, je vais quand même le dépasser. Aïe. On a le spotter qui peut nous aider si on fait pas trop de bêtises, regardez-moi ça.
Alors j'ai enlevé complètement les dégâts par contre, je pensais que je les avais laissés. Mais finalement j'ai bien fait de pas les avoir remis parce que... Oh regardez-moi ça. En plus c'est un pilote à battre puisque c'est des positions qui sont devant nous. Aussi la petite flèche. Par contre effectivement dans le virage je vais galérer. Hein. Voilà c'est bon, on repasse. On est dixième. J'essaie de me concentrer. Ah bah voilà, il nous a défoncé. Du coup... On a perdu des positions, attention, devant. Donc là, il faut que j'évite d'être trop rapide, hein. J'ai pas beaucoup de temps en faisant ça. Bon, en tout cas, on navigue entre la 10ème et 12ème position. J'arrive pas à prendre de virage, hein. C'est mon gros problème. Ouais, c'est bon, on est passé par là. J'allais dire devant, ça s'est planté. Et bien finalement, c'est moi qui me plante avec. On est 9ème, il reste 2 tours à faire. J'ai reperdu 2 places. Ça va vite, hein, les pertes de place, les prises de place. Ah, je savais que ça se passerait mal. Je me disais, je suis allé trop rapidement. Ouh là, ça a tapé dans son devant. Oh, allez, on est passé entre les deux. C'est de l'arcade pure, mais je trouve ça quand même drôle. Et on va finir 9ème, ce qui est plutôt pas mal, on était parti quand même 14ème. Et du coup on va pouvoir voir le replay. Alors je repose, on va faire une dernière petite course et puis on s'arrêtera là-dessus. Là c'est l'Arizona 200, donc on va faire qualification. Et je vous ai pas montré le classement, mais bon. Au moins on se doute que l'on est... Bon alors regardez-moi ça, quand il n'y a pas de voiture d'un coup c'est super fluide et quand on a des voitures c'est super lent. Mais là, je peux rien faire, hein, concrètement, regardez-moi ça. Vous voulez que je fasse quoi comme chrono? C'est vrai que j'avais fait le 14ème temps tout à l'heure? Ah, c'est pas évident. On a fait le 20ème temps, ce qui est assez nul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un peu les ailerons encore. Ah non, ils sont déjà au minimum. Gear ratio low, track default, type pressure. Low setting will increase handling. Ah, oh, bah je vais mettre à fond alors. Alors, du coup, ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire. On va faire race direct. The Arizona Motor Speedway is the site of the MCI WorldCom 200. This is a brand new racing facility set on more than 400 beautiful acres, located at the foot of the mountains. It's a short oval, a flat track, excellent for racing. Allez, c'est parti pour le circuit de l'Arizona. And we're underway. Ok, j'ai compris. Bon, bah écoutez les gens. En fait, c'est surtout la pression des pneus qu'il faut changer, c'est même pas le reste. Pression au minimum, c'est-à-dire que la voiture, elle tourne à mort. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ouh là 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 là, devant, ça s'est tapé... Aïe aïe aïe. Ah, quel dommage! On était bien parti. Je vais retaper à nouveau, attention. Oh là là, le bordel! Ah, on était bien parti. J'ai fait un bon départ. Malheureusement, ça s'est mal passé.
Je sens que ça va mal se passer aussi ici. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû baisser mes ailerons encore. Ça, c'est du draft, hein. Le mec, tu le pousses comme ça. Le mec, il prend 200 mètres d'un coup, il doit être content, quoi. Alors, on va essayer de se concentrer. J'ai un bon setup, donc je pense qu'avec un peu de chance, ça peut bien se passer. Si on rentre pas dedans, évidemment. Oh là 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 là. D'ailleurs, ça a totalement pas ralenti. Ça fait un très bon jeu d'arcade, hein, vous l'aurez compris. Ça, on n'est pas du tout dans la simu, mais absolument pas. Mais c'est peut-être, malgré ce, un des jeux où je me serais le plus marré, en tout cas pour Dindy. Parce que, bah voilà, ça se prend pas au sérieux. Enfin, je trouve que ça se prend pas au sérieux. Et du coup, c'est limite drôle. Mais voilà, il faut vraiment que la manémité. Voilà, genre ça. La manémité, il faut vraiment qu'il la revoie, quoi. Là, on a 87 up, bon, du coup, on s'en sort pas trop mal, mais. Et j'ai tapé. Coup de boule, coup de boule. D'ailleurs, ça se fight, mais un truc de fou. On garde l'intérieur, mais on devrait pas forcément. On devrait le laisser passer, justement. Allez, reste deux tours. Et mon gros souci, c'est que je vais avoir aucun draft. Par contre, on peut pas drafter les voitures à un tour. Aïe. Je vais garder l'intérieur. Et on finit encore 9ème, décidément. On finit toujours à la même place. Bon, je vais vous laisser sur le replay. En tout cas, donc Indie Racing 2000, c'est un jeu très arcade, je vais le redire. En tout cas, vous avez licence, donc si vous avez suivi le championnat à l'époque et que vous avez aimé les saisons, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Bon, c'est un jeu qui a très mal vieilli. Mais qui reste encore intéressant. Enfin, moi, je trouve qu'il devient intéressant à partir du moment où ça devient manœuvrable. Et le fait d'avoir des chocs partout, des accidents partout, bah voilà, ça reste assez fun à jouer. Regardez moi ça, j'étais bien parti, hein. C'est après que vraiment il y a eu un problème. Regardez là, il était bien passé, et puis pouf, on s'est pris la voiture. Il y a le big one du coup. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo 64 vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.